la première édition du tournoi de football de la Fondation Espoir et Vie du quartier résidentiel de la commune de Makori a refermé ses portes sur une marque de gaieté pour les organisateurs et tous les participants. La finale a opposé les équipes du CFA et la JFCM. Devant un public chaleureux, les deux équipes ont produit un jeu dans un esprit fair-play, chacun avec objectif de brandir le trophée de cette édition 1. Après 90 minutes, le score est resté de 0 à 0. CFA et JFCM ont pu se départager après le pot fatidique des tirs au but. En définitive, CFA l'a emporté sur le score de 4 tirs réussis contre 3 pour la JFCM. Pour l'initiateur du projet, le conseiller municipal Bou Anou, c'est une grande satisfaction. Outre la compétition de football, des dons en fournitures scolaires ont été offerts aux élèves du quartier qui ont obtenu les meilleurs résultats lors de l'année scolaire. Un geste qui entre dans l'objectif de la Fondation Espoir et Vie relatif à la promotion de l'excellence. Le président du comité d'organisation, Jean-Marc Ouadia, a exprimé sa satisfaction après cette compétition. Il convient de dire que la Fondation Espoir et Vie a organisé deux tournois dans la commune de Makori cette année. La finale de celui du quartier Sikoji se jouera le 18 septembre prochain.